Donc une fois le temps de pause d'une dizaine de minutes effectué, on va pouvoir façonner définitivement les baguettes. Donc on utilisera une plaque à baguette viennoise qu'on aura essuyée avec un chiffon et on va la graisser avec une bombe à graisse en faisant un aller-retour entre chaque rainure. Donc on va façonner nos baguettes en réappuyant une nouvelle fois et en ressoudant une nouvelle fois notre baguette, ce qui permettra d'avoir beaucoup plus de force au niveau de notre baguette et un visuel beaucoup plus rond de notre produit final. Donc pensez bien à décoller régulièrement de votre plan de travail votre baguette, ça évitera qu'elle déchire. Donc la main toujours superposée au départ et on va vers les bouts de la baguette. Faut bien penser à la décoller sans utiliser de farine et on voit bien que la détente a été nécessaire puisque le produit ne se déchire pas. Et la soudure est visible et elle doit se trouver dessous lorsqu'on pose le produit sur la plaque. Au niveau du gabarit, par rapport aux plaques du centre de formation, on doit voilà, avoir une main de chaque côté de la baguette une fois qu'elle est posée sur la plaque. Et si elle a bien détendu, elle ne doit pas rétrécir en attendant qu'on façonne les autres baguettes. Donc le geste est répétitif pour tous les produits. Donc évitez voilà, d'avoir des formes irrégulières sur la baguette. On va la régulariser avec nos mains. Si on voit qu'il y a un étranglement, voilà, on le rectifie en repoussant de la pâte de chaque côté de l'étranglement vers l'étranglement. Donc on évite les bouts pointus qui auront tendance à sécher en cuisson. Pour la baguette nature, le principe est le même. Il faudra bien penser à avoir nettoyé votre plan de travail au préalable pour enlever les traces éventuelles de pépites de chocolat. Donc on aura tendance à voir apparaître plus facilement des bulles d'air sur les baguettes nature, donc il ne faut pas hésiter à les éclater avec soit le tranchant de sa main, soit avec la base de la paume de sa main. Et on voit bien des baguettes qui ont la bonne taille.